Good morning, Alei Den Letus aujourd'hui le Nishmat Rachamim Ben Rosa Chaya Bat Tova ainsi que l'Irfuat Raphaël Zevulun Ben Chaim Aliyah Miriam Matrasina Doven Yudit Sarah Bat Vitiruka et Sarah Miriam Matrana Ben Rosha Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Dalet Mishnah Bet Nolad Lo Mum Betor Shnato. Motar Lekaimo Kol Shnamasar Chodesh Leachar Shnato et Norashay Lekaimo Ela Ad Shloshim Yom. On continue dans notre Mishnah à parler des bornes de temps durant lesquelles on doit donner le Bechor au Kohen, et même mieux que ça, on va devoir l'égorger le plus vite possible. Et on avait déjà commencé le sujet dans la Mishnah, en prenant les limites inférieures, à partir de 30 jours, 50 jours, menu bétail, grand bétail, gros bétail. On avait même évoqué en fin de Mishnah qu'il faut, durant l'année, faire le Korban, et aussi si c'est un Balmoum, alors là on va mettre le zoom davantage dans notre Mishnah. Si c'est un Balmoum, c'est-à-dire qu'il avait eu un défaut. Et la Mishnah m'enseigne, Nolad lo mum betor shnato. S'il a eu un défaut qu'il a eu durant sa première année, alors là, bon, ben, boutar le kaimo, kol shnamasar kodesh, on aura le droit de le maintenir, de le conserver, durant les 12 mois de sa naissance. D'accord? Donc à partir, tant que je suis encore dans sa première, on n'a pas encore fêté son premier anniversaire, même s'il a eu un défaut relativement au début, dans les premiers mois, dans les premières semaines, j'ai le droit de le tirer jusqu'à la fin de l'année, si je veux. On va selon sa date de naissance, et on va pas selon l'année du calendrier. On va expliquer pourquoi ensuite. Pour le moment, je continue dans la Mishnah. Ensuite, la Mishnah m'enseigne. Le'achar shnato, si toutefois, il n'a pas eu le défaut avant l'année, c'est-à-dire, à l'époque du Beit HaMikdash, il n'y avait pas de configuration pareille, parce que tant qu'il n'avait pas de défaut, eh ben, tu as le devoir de l'amener au Beit HaMikdash pour l'étude de nos Kohanim. Les Kohanim feront leur korban, et ils pourront ensuite manger sa chair, donc ils devront le faire pendant l'année. À notre époque, malheureusement, il n'y a plus de Beit HaMikdash. On ne peut plus rien faire du Bechor, on ne peut plus en faire de Korban. Donc il faut nécessairement attendre qu'il va avoir un défaut, qui va le rendre invalide à monter sur le Mizbeach, à devenir un bon Korban. Et une fois qu'il aura eu ce défaut, eh bien, on aura le droit de le consommer. De ce fait, ça n'a pas de sens à me limiter à un an. Qu'est-ce que ça veut dire de me limiter à un an? Tant qu'il n'a pas eu de défaut, il n'a pas eu de défaut. Si le Bechor, il est parfaitement conservé, on n'a pas besoin de le provoquer, le défaut. Donc je vais devoir nécessairement dépasser la première année jusqu'à qu'il reçoive un défaut. Une fois qu'il aura eu ce défaut, combien de temps aurai-je pour lui faire la shrita, pour le donner au coin pour qu'il fasse la shrita? Alors la Mishnah m'enseigne, le'achar shnato, après la première année, une fois qu'on a passé donc la première année, et nous rachel le kaimo et la ad shloshim yom, il n'aura le droit de le maintenir en vie que durant les 30 jours et lui faire la shrita le plus vite possible. On va expliquer après exactement, il y a deux petits avis, Rachid Tosfot sur ça. C'est-à-dire, je reprends pour le moment, donc je reprends en reprenant cette fois-ci l'origine du pasouk. Le pasouk m'a dit comme ça, « Lifnei Hashem alokecha tochalenu shana beshana. » La Torah m'a dit, sur le Bechor, qui n'a pas eu de défaut pour le moment, « Mais tu pourras le manger shana beshana, année par année. » Éventuellement, on aurait la tendance à traduire « année par année ». D'accord ? Année, chaque année, tu devras faire attention à manger ton Bechor. Maintenant, si... il y a un petit problème technique. Dans plein de choses, je ne sais pas, par exemple, dans la Orla, quand on plante un arbre, la Torah aussi, elle me limite à 3 ans. Or, on ne compte pas un an depuis le moment de la plantation. On compte un an depuis le moment, bon, selon l'année, l'année du calendrier. Ça veut dire que si on va planter un arbre, disons, en Nissan, Iyar, Sivan, eh bien, on aura déjà gagné, dès qu'on va atteindre Rosh Hashanah, on aura déjà fait un an. L'année, un an, durant l'année. Qui a dit que l'année, ça doit être nécessairement... selon l'anniversaire de la personne ou du Bechor. Peut-être qu'il faudrait éventuellement aller selon les années du calendrier. Sur ça, la Gemara explique. Shana Beshana, année dans une année. On n'a pas dit Shana Shana, année par année. Quand on veut parler en hébreu et dire année sur année, on te dit Shana Shana. La Torah a utilisé Shana Beshana, une année qui rentre dans une année. Comment tu fais une année qui rentre dans une année? C'est pendant l'année, donc tu as démarré une nouvelle année. Forcément, il y a aussi une allusion qu'on va selon l'année personnelle du Bechor depuis le moment où il est. L'année de lui-même qui peut parfois entrer dans une nouvelle année. Ça, c'était pour d'abord la source, l'origine de l'égorger durant son année personnelle. Maintenant, durant l'année personnelle, donc, la Torah m'a laissé la possibilité un an pour l'égorger, le faire un korban, s'il n'a pas eu de défaut pour... s'il a pas eu de défaut, on fait un korban, s'il a eu un défaut pour le consommer, j'ai un an. Maintenant, là, malgré tout, la Mishnah m'enseigne que, passé la première année, tant qu'il n'a pas eu le défaut, ben, tant qu'il n'a pas été invalidé à monter sur le misbéach, tu ne pourras plus faire la shrita. C'est formellement interdit, c'est pour le moment c'est un kochim. Il est apte à être un bon korban. Jusqu'au moment où il va devenir invalide
invalidé pour monter sur le misbéach. D'accord? Ça peut être toutes sortes de... On en évoquera un peu, hein, de temps en temps. Par exemple, il va avoir l'oreille coupée, la lèvre fendue, ou une patte un peu cassée qui ne peut plus se réparer, ou le béhan, il va être invalidé, il ne va plus pouvoir monter sur le misbéach. Dès lors, alors, puisque tu auras déjà passé la première année, toutefois tu auras déjà passé la première année, alors la Torah me donne 30 jours. C'est quoi ces 30 jours exactement? Il y a deux avis. Il y a Rashi et Tosfot. Selon Rashi, on parle en fait, on s'adresse ici au Israël. Moi, qui a reçu ce Bechor, je dois le donner au Kohen. Eh bien, moi, la Torah, elle me donne maintenant, le Chachamim m'ont donné 30 jours pour me dépêcher d'aller le donner au Kohen. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de le donner au premier Kohen venu. J'ai le droit un petit peu d'organiser le terrain. J'ai mon cousin Kohen que je voulais lui faire plaisir, qui reçoit plus de viande à l'approche des fêtes. Eh bien, dans ce cas-là, si je veux, j'ai une marge de 30 jours. Mais je n'ai pas le droit de dépasser les 30 jours si toutefois je veux le donner à mon cousin qui va venir dans 40 jours. Je devrais le donner au Kohen que j'ai dans le quartier. Ça, c'est selon la vie de Rashi. Selon Tosfot, on parle en réalité, on parle d'une chose. Autre précision, bien sûr, il y a le cas inverse. C'est si toutefois j'ai déjà donné au Kohen, le Kohen lui doit faire la Shrita tout de suite, immédiatement. Il ne doit pas traîner, je ne sais pas combien de jours on lui donne, c'est plus précisé. Dans Tosfot, on parle justement du cas inverse. On ne parle pas du cas du Israël qui devrait le donner au Kohen. Parce que l'Israël qui devrait le donner au Kohen, s'il n'a pas trouvé de Kohen, on va lui passer même plus que 30 jours. Donc, en fait, l'Israël devrait se dépêcher de le donner au Kohen, mais on ne l'a pas limité. Ce qu'on a limité ici, c'est le Kohen qui a reçu le Bechor, qui a le défaut. Lui, une fois que toi, le Kohen, tu l'as reçu, tu as 30 jours pour l'égorger. Ne commence pas à me dire, oui, mais dans 40 jours, j'ai l'anniversaire de mon fils et je voulais rajouter plus de viande sur la table. Eh bien, non, on va te dire, t'as que 30 jours. Tu pourras manger cet agneau, si tu veux, à Pourim, mais pas pendant Pessah, parce que. On va déjà rentrer, on sera déjà trop. On aura, depuis le 6-7 Nissan, eh bien, on aura dépassé le mois. D'accord? Voilà pour la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.